YouTube Greux. C'est Sean Kazma YouTube. J'espère que tu vas bien, on est back. De retour, messieurs, dames, pour la suite de AC Unity, enfin. Alors, on a fait une bonne pause pour le début du marathon sur God of War, notamment parce que j'ai été entraîné par la saga, donc je vous avoue que j'avais surtout envie de bourrer du demi-dieu, si tu veux, ou même du dieu, plutôt que de repartir me perdre lors de la Révolution française. Mais maintenant qu'on a bouclé le premier jeu, on va reprendre un rythme qui switch entre du AC et du God of War, histoire qu'on fasse avancer l'ensemble. Alors, dans l'épisode précédent, on avait fait l'ensemble des cafés du jeu, et plutôt leur mission. On s'était fait un sacré pactole, et j'ai eu l'occasion d'acheter une arme légendaire. Et j'en suis content, parce que je pense que l'armure, ça va être bien plus compliqué d'avoir les morceaux, parce que chaque pièce valant entre 120 000 et 150, 160 000, si tu veux, ça fait qu'à la fin, tu as une tenue qui équivaut presque à 1 million de francs. C'est trop cher, beaucoup trop cher. Par contre, l'arme en elle-même, genre c'est le prix d'une pièce d'armure. Donc si tu veux, à partir de là, il y a foutage de gueule, pas dans le bon sens forcément. Cela dit, il nous reste beaucoup de choses encore à accomplir dans le jeu. L'argent, à partir de là, va plus me servir à grand-chose, puisque, et je le disais juste avant de commencer la VOD, en fait, je vais plus trop switcher d'armure, parce que j'ai atteint le niveau de maître. Donc en fait, là, si je change d'armure, je vais régresser. On pourrait régresser, hein, sauf que ce serait jeter de l'argent par les fenêtres. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir de là, à chaque fois que j'aurai la possibilité, j'achèterai un fragment d'armure légendaire. Comme ça, au maximum, on essaiera, si possible, d'avoir un stuff 5 étoiles doré. Ça m'étonnerait vraiment qu'on boucle l'entièreté de tout ça avec un set complet légendaire, mais on sait jamais. On sait jamais. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, c'est histoire. On va tenter de se rapprocher de la fin de tout ce bordel. Et une fois qu'on aura bien avancé, non, on est bien, on pourra se permettre de se perdre à nouveau. Pour, comme je le disais, fouiller l'ensemble des coffres du jeu, faire les énigmes de Nostradamus, boucler les récits parisiens. Parce que j'ai envie de les faire, les récits parisiens, ça a l'air très très cool. J'ai bien aimé l'émission de café, donc en vrai, il n'y a pas de raison que je ne kiffe pas les récits qui en plus racontent des vrais faits. Et ça, c'est très très cool. C'est qu'ensuite, mémoire 1, correspondance royale. Le roi détient des lettres susceptibles d'incriminer les assassins. Trouvez-les et détruisez-les avant que la foule ne s'en empare. D'accord. Mais on est hors sujet là par rapport à la traque de base. Vous m'avez convoqué? Monsieur Dorian, nous avons un travail pour toi. Vous voulez encore que je joue les messagers? Deux maîtres assassins sont morts, l'un de ta main pour protéger un templier. Estime-toi heureux que nous ne te punissions pas davantage. Et Germain? Son sort ne te regarde pas. La nuit dernière, la commune de Paris s'est déclarée en insurrection ouverte contre le roi. À l'heure où nous parlons, 20 000 révolutionnaires armés font le siège des Tuileries. Même la garde nationale est divisée. Certains de ses membres ont rejoint les insurgés. La France est sur le point d'imploser. Cela devrait nous ravir, non? Le peuple se bat pour ce qui lui est dû. Liberté, égalité. Oui, tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance. Mais la réalité est bien plus complexe. En mettant de l'ordre dans les affaires de Mirabeau, nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale. Mirabeau était en relation avec le roi. Et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être. Si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics, les Templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en France. Je dois donc m'assurer de les trouver avant eux. Au plus vite, les gardes suisses sont en difficile posture. Ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit. J'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation. Nah, ça parle vrai, cela dit. Bon, donc on est toujours bien dans la continuité de tout ce bordel. Donc ouais, le maître assassin n'est plus. Et on avait perdu Balek. Arme à l'épaule! On joue! Feu! Bien joué! Reprenez position! Vive la nation! Vive la révolution! Vive la révolution! Bon! Va falloir se remettre dans le bain, hein! Alors! Parce qu'entre les deux, il y a eu God of War, les gars! Donc! Infiltrez-vous dans le palais!
Dakodak. Alors comment on s'infiltre dans le palais? En vrai, je suis déjà infiltré dans le palais, ou presque. Oh là là, ça m'a l'air compliqué. Deux secondes. Alors, je vois des fenêtres là-bas qui sont ouvertes. Ah, attends. Mieux que ça. Il y a des fenêtres sur le teco qui sont ouvertes. Allons-y, monsieur dame. Donc ouais, comme je disais, ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer parce qu'on avait commencé le marathon God of War. Mais si tu veux, c'est pas du tout le même style. Hein, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais du coup, on va faire au mieux. Et vous êtes beaucoup à continuer de me dire d'essayer de viser manuellement moi-même avec la lame. Donc on va essayer d'avoir les bons réflexes. Puisqu'apparemment, ça permet de plus tuer. Parce que c'est quelque chose que j'ai quand même du mal à faire. Par contre, le problème, c'est que... Vas-y, cette porte, elle est trop gardée, en fait. Attends. Je sais ce qu'on va faire. On va monter par là, et en fait, je vais redescendre au niveau de la fenêtre. Je peux pas faire un tour par les toits. Bah, en fait, c'est ce que j'ai voulu, et au bout du compte, bah, ça s'est un peu arrêté là où... Où j'avais pas trop le choix, si tu veux. Ah, merde, il y a des gardes. Ah, attends, il y en a un... Il y en a un, il est loin. La fenêtre, elle était où? La fenêtre, elle était... Ah, elle est là. Est-ce que vous pensez que depuis cette fenêtre, il y a moyen... Ouais, peut-être. Ah, ou peut-être pas du tout. Attends, ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre pas. Ah, toi par contre, mon gars, tu t'ouvres. Ah, attends, on a vu un échafaud plus loin. Il y avait un garde justement. Mais vas-y, il va me voir arriver en fait. Ça va être tendu hein. Dans God of War, on était artisan de peau. Et là, on est tailleur de culottes. Collectionneur. Mais pour vous, si vous le voulez, je serai tailleur. Ouais, il va falloir attends. Je vais faire un tour, mais je vais faire un vrai tour. Parce que là, je suis encore trop en façade. Si je veux pouvoir me faire et le gars qui a sur le toit là-haut et celui sur l'échafaud là, il va falloir... ouais, il va falloir... Merde, attends. Il va falloir faire un vrai détour. Ouais, c'est pas mal déjà. Allons-y. Ah, et là, il y a même une fenêtre. Oh. Attends, quoi? Qui m'a vu? Hein? Mais tu m'as pas vu? C'est pas vrai, tu mens. Mais que... Quoi? Mais d'où tu me vois? Montre-toi, Saint-Couture. Bon Dieu, mais qui t'a tué, toi? Voilà! Ok, on est bon. Ah oh! Nous, c'est pas vrai! Une ombre dans la nuit! Attends, y'a pas d'autres gardes? Eh, c'est compliqué un peu leur histoire là. Pourquoi j'avais dit qu'il y avait deux gardes alors qu'en fait y'en a genre 30? Ça va être la galère. Hein. Bienvenue à ceux qui n'ont jamais, messieurs dames. Welcome back. De retour pour la suite de ce casse-marathon. Ok. D'ailleurs, je tiens à dire que, encore une fois, le rythme est ce qu'il est en ce moment parce qu'on est sur Unity. Mais dès qu'on va passer à la trilogie mythologique avec les RPG et tout là, vous inquiétez pas qu'il y aura plus de sessions. Hein. Parce qu'il va falloir qu'on avance bien plus vu que les jeux sont plus longs. Ok, mais là, je profite d'avoir encore un petit peu de temps pour faire d'autres jeux. Ok. On a fait un grand tour. Mais là, on est passé. Alors, s'infiltrer dans le palais, c'est fait. Maintenant, y rester en vie et sans se faire repérer, ça va être un autre problème. C'est pas comme je vais faire. J'aime pas les paresseux. Ok. Oh c'était tout juste. Ok. On va s'en faire le plus possible hein. Au moins ceux Ok. Dans mon espace personnel. J'ai besoin d'oxygène. Alors attends. Il y a un Gugus là. Trouver le bureau du roi. Ouais, bah on va faire ce qu'on peut hein. Je ne panique pas, c'est pas vrai. Je vois pas ce que vous voulez dire. Attends. Parce qu'il y a toujours celui du haut là qui va revenir. Et moi ce qui m'embête un peu, c'est ceux du bas là.
Parce que vas-y, si le bureau il est là-bas. Attends, non, personne n'a dit qu'il était là-bas. Le pont il est en suspension. Où est le bureau du roi? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs dames. Kazma, est-ce que c'est normal si les épisodes 4 et 5 de God of War ont le même nom? Ah, attends. Non, c'est pas normal. Attendez. Petite correction en 5 secondes. C'est ma faute. C'est parce qu'en fait, je fais un copier-coller sur YouTube de tout, en fait. Description, titre, tag et autres. Et j'ai oublié de changer le titre. Et là, normalement, c'est bon. Désolé, la correction a été faite en temps réel. Let's go. Comme ça, ça vous donne à peu près une idée de quand je tourne quoi, hein, sur YouTube, si jamais. Mais d'ailleurs, YouTube, rejoins-nous. Hein. Je sais que je me suis un petit peu calmé sur les demandes. Parce qu'avant, je te le demandais réellement à chaque VOD. Mais sache que par contre, c'est la même. Hein. Rejoins-nous si tu veux suivre les aventures pour de vrai. Hein. Surtout que je prends en compte vos arguments et vos conseils. Donc, n'hésitez pas. Je sais pas où est le bureau du roi. Écoute, le jeu a l'air de me dire à l'étage. Donc on va se promener à cet étage. Hein. Ok. C'est un garde, ça. Non, il va vouloir me fumer, lui. C'est pas vrai. Oh, bon sang. Marvo est mort. Ah, mon Dieu. Marvo est mort. Là-bas, voilà. Bordel. Ok. Heureusement que c'était juste un bug d'affichage. J'ai peur, là, le garde, il va foutre la merde, non? Attends. Pensez, je passe, là? Ok, on est passé. Alors. Oh, heureusement que j'ai le crochetage de niveau 2. Je vous l'ai dit, hein, vraiment, pour moi, l'objectif, c'est le crochetage de niveau 3 pour pouvoir tout ouvrir. Hein. Ok. Bonjour. Ah, d'accord. Il a paniqué. Ok, mon grand. C'est bon. Je crois qu'on y est. Let's go. Oula. Et vous êtes? Oh. Attends, me dis pas que c'est... Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas? C'est fort pratique de se retrouver séparé des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis? Secret d'État, correspondance privée, trésor personnel, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre? Des lettres qui furent envoyées au roi, qui prêterait à malentendu si elle tombait entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Si nous pouvions le trouver... Je sais que vous savez. Oh, je sais que vous savez, oui, c'est lui. Oh, yes. Alors, on aime ou on n'aime pas, je suis très 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 fan de Napoléon Bonaparte. Je sais qu'il est pas forcément bien vu, en tout cas à l'étranger. Je suis extrêmement fan du personnage. Bien. Ah, je suis content. Si vous suivez l'aventure depuis le début, vous savez que j'attendais ce personnage. Hein. Autant Unity est pas mon préféré en termes de gameplay, même s'il a des trucs, notamment sur la discrétion que je trouve très chouette. Mais en fait, c'est sur les combats que des fois je me dis, ouais, je comprends pas pourquoi on a fait un retour en arrière en termes de cap, si tu veux. Par contre, il y a des personnages hauts en couleur, et ça, c'est indéniable. Vous disiez? Tout à fait remarquable, mon ami. Vous avez votre butin? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre? Il me semble. Oui,
Le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Pressons. Qu'est-ce que c'est? Notre issue. Couvrez-moi, voulez-vous? Eh ben, tout ça pour ça. Eh ben, messieurs, bonjour, vous allez tâter de mon arme légendaire. Oh putain, ils sont tous niveau 1. Oh la loose, les gars, excusez-moi. Hein. J'ai un 5 étoiles doré, s'il vous plaît. Voilà. On est là. Ok. Ah, par contre, c'est long, hein. 1 minute 40. Ah ouais, d'accord, ok. Je vois. Et ça va monter en difficulté, je suppose. Bon. Nya. On va tâter ça pour de vrai. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui regretteront le fait que je n'ai pas pris l'épée en référence à C2. Mais je vous avoue que personnellement, je préfère la lance. Puis en plus, ça change un peu de ma première version. Et au fait, j'ai appris un truc de ouf. Vous savez, au début de l'aventure, quand Arnaud il court après le carrosse qui amène Monsieur de la Serre, je sais plus où, vers un palais. Vous savez, c'était encore à Versailles. À un moment, Arnaud il poursuit de la Serre. Et sans le vouloir, il trouve un chariot, enfin un carrosse qui est pas le bon. Et ben en fait, il y avait Sir François Germain dedans. J'avais pas fait gaffe, parce que j'avais pas encore découvert le perso. Mais en fait, on voit François Germain dès le début. C'est incroyable. Il est partout. Je veux ces documents. Lui. Diable. Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut. Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Nyaha! Allons-y. Vous n'avez pas manqué d'allant là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes? Non, non, non. Je suis collectionneur et tailleur de culottes, au pire. Les armes, c'est pas mon truc. Un individualiste. Nya. Le fléau des généraux. Je me bats pas, moi. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage. Je me rappelle de cette scène. Je me rappelle de cette scène. Et je sais qu'elle est très 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 chouette. Vous seriez maréchal avant 10 ans. Je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Ouais, je crois que je me rappelle de cette mission. Napoléon Bonaparte. Oh oui! L'artillerie. Pour le moment. Arnaud. Ah. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. Oui, monsieur, bien monsieur. Par contre, je trouve ça très cool, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas fait gaffe, j'ai l'impression que se sont beaucoup inspirés des peintures des différents personnages, en fait, pour faire leur faciès. Parce que genre, Bonaparte, j'étais en train de checker vite fait une peinture, parce que j'avais un doute sur un truc, mais c'est quasiment du copier-coller, hein. C'est balèze. Hein. C'est vraiment, vraiment balèze. Hein. Je sais que AC, en tout cas la licence jusqu'à présent Ubisoft, ils ont toujours bien taffé le côté historique. Et pour le coup, là, c'est qualitatif. Hein. Ah, c'est peut-être pas la mission que j'ai en tête, je me rappelais d'une scène sur la fin. Et maintenant, attendez. Ah, si, c'est cette scène! Ah, si, c'est cette scène, c'est génial! Ok. Il est au téléphone? Vous devriez vous abriter. Il a envoyé un SMS. Incroyable! Tout est en ordre, monsieur? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille? Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien. Let's go! Ah, c'est peut-être bête, hein, mais cette scène où ces hommes arrivent, pètent le mur et font « Sir, yes, sir !» et qui font « Bien, coordination parfaite !» Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Bon, messieurs, dames, c'est qu'ensuite, mémoire 1 terminée. On poursuit. Ah, j'adore. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat Flo bâtard. Il y en a, ils ont trop vu les tuches ici. Hein. Flo de bâtard. J'aime trop. Franchement, Napoléon Bonaparte, les gars. Napoléon Bonaparte, excusez-moi. Bah, c'est à côté, en fait, donc on va y aller à patte. Hein. On a dit, hein, aujourd'hui, épisode de Scénarium.
Surtout qu'en termes d'annexes, vraiment, à part les récits parisiens ou les trucs de Nostradamus, il me reste pas grand chose, tu veux. Après, si, il me reste les missions multi. Mais le truc des missions multi, c'est que je me tâte à les faire pour moi ou à les faire pour vous. Donc, si tu veux, c'est toujours l'hésitation en fait. Parce que je me dis, il y a des choses qui pourraient être sympas à montrer. À la limite, si on a qu'on des missions à me proposer, peut-être. Si tu veux. Par contre, j'ai perdu le cap. Donc, ce serait bien de me laisser le lock. Voilà. Parce que même si je suis repéré, j'y vais quand même à l'objectif, si tu veux. Et une fois là-bas, voilà. On s'arrangera pour disparaître. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le meilleur appart de Paname? Comment ça, le meilleur appart de Paname? Celui où il y a un trou qui a été fait par Napoléon? Grand artilleur, apparemment. Hein. Pas encore le général qu'on connaît. Hein. Le commandant suprême. Je sais pas, moi j'aime bien le flow de Napoléon. Pas dans toutes les œuvres. Il y a vraiment des œuvres où il est ridiculisé as fuck. Hein. Entre ceux qu'il miniaturise et ceux qu'il décrédibilise en disant que genre il est teigneux. Alors, tu sais, il est plus vénère qu'autre chose. Non, c'est un génie stratégique le bail. C'est un génie stratégique. Et ça, c'est classe. Après, je comprends que ça plaise pas forcément à tout le monde. Allez hop, Tayo. Oui, bien sûr, il était petit. Mais il était pas nain. Faut pas déconner. Bien sûr, il était petit. Mais il y a énormément d'œuvres où il le miniaturise, le bail. Alors, tu vois le pingouin, il fait grand frère à côté, si tu veux. Il paraît grand. Alors, les massacres de septembre. Ah, et on veut obtenir un bout d'armure. Rouille et ses hommes investissent la prison du Grand Châtelet et en exécutent les détenus. Trouvez-le et empêchez-le de nuire. Let's go. Ce matin, j'ai été abordé par trois hommes trimballant une tête au bout d'une pique. Ils ont dû prendre mon uniforme pour une marque de noblesse car ils ont exigé que je crie « Vive la République » afin de prouver mon allégeance. La distribution de cocardes tricolores doit être passée de mode. Qu'avez-vous fait? J'ai crié « Vive la République ». En homme de principe. Ma dignité m'est bien moins utile que ma vie. Voilà ce qui se passe lorsque l'on confie le pouvoir à des fous affamés et le commandement de l'armée à des sauvages trop avides de sang. Rouille. J'ai voulu le faire affecter à une garnison éloignée, mais manifestement, il ne semble pas manquer d'amis très haut placés. Il est intouchable. Mais vous savez où je peux le trouver? Il se dit dans les casernes qu'il comptait marcher sur le Grand Châtelet avec un détachement de ses sbires cet après-midi. S'il devait avoir un accident, rares seraient les Français à en souffrir. Et ma carrière ne s'en porterait que mieux. Alors, aiguisez vos talents d'orateur. Il va glisser sur une culotte, c'est moi qui te le dis. Alors on me dit dans le chat que Napoléon était pas si petit parce qu'il faisait environ 1m70. C'est avéré ou c'est une info comme ça? Parce que les gars, 1m70, si c'est vraiment ça qu'on considérait comme nain... Prenez-leur ça. Je veux dire, la légende elle est mal écrite quoi. Personne ne bouge. Allez les gars, trouvez-moi le gardien chef. Allons-y. Il est l'heure de la prestation. Bon, assassiner Rouille. Comment on va faire notre coup? Moi je commencerai bien par la tour. Et ensuite, il y a une sorte de câblage là-bas. Ok, on va voir. Alors, allons-y. Et voyons ce qu'on peut faire de beau. Par contre, j'arrive pas à sortir. Ok, opportunité d'aide, opportunité de diversion. Y a-t-il quelqu'un sur la muraille? Ah, il y a quelqu'un sur la muraille quand même. Ok. Ah, attends, ça m'a l'air d'être une entrée logique. Tenez-vous tranquille.
traître vous fera payer. Allons-y. Bonjour. Possibilité d'avoir des gens avec moi, je prends. C'était pas prévu, mais c'est un oui. Allez, bouffe et bouffe. Voilà. Ah, qui d'autre? Merci, monsieur. Qui? Oh non, ça va pas commencer. Je ne sais pas quelle est ton unité, mais merci. Mais ça me vénère quand ça fait ça. Il y a des mecs qui m'ont repéré, ils sont même pas dans la zone. Je ne comprends pas pourquoi. Tuer les hommes de main, c'est fait. Garde libérée. Alors attendez. Est-ce qu'il y a moyen de regrimper d'ici? Eh ben, on va vite l'oublier du coup. L'idée de la tour là, attends. Il est là. Il est juste là. Et je suis obligé de passer par l'intérieur. Eh ben, let's go, changement de plan. Ok. Je vois rien par contre. Quelle boucherie. Yut. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? T'as entendu ce que j'ai dit? Laissons faire. Moins un. Qu'est-ce qu'on attend? Ce sont pas les traîtres. Moins deux. Ok. Et il y a quelque part une opportunité de diversion. Mais vas-y, flemme en fait. En sachant que c'est secondaire, hein, c'est juste que ça peut m'aider pour la suite. Ouais, en vrai, Bonaparte était dans la taille moyenne des Français. Mais alors pourquoi on le considère toujours comme un nain? 1m70, c'est pas petit. Enfin, je sais pas. Bizarre cette histoire. Ok. Ok. Bonne initiative jusque là, hein. Bonne initiative. Va falloir trouver un moyen de grimper. Te retourne pas, chacal, te retourne pas. Ok. Sérieusement. C'est pas grave. On a rien vu. Il a entendu la lame s'enfoncer dans l'estomac de son pote. Ça se comprend. Mais alors, voilà, s'il faisait 1m70 et que c'est clairement pas petit, pourquoi est-ce qu'il était considéré comme petit? Non mais c'est vrai, genre, c'est quand même l'un des trucs qu'on retient le plus. Ah. Ah mais c'est mes poteaux! Tenez bon, dans la brèche. C'est mes poteaux, alors attends. Ça je prends déjà. S'il s'occupe des problèmes, moi j'avance. Ah d'accord, bah je me suis mêlé au combat. Fais chier. Alors attends. Ça grimpe. Mais non, mais cassez-vous vous. Voilà. Voilà. Bouya. Ah, nique-toi. Allez. Putain, c'était pas l'initiative que je voulais en vrai, hein. Ça se serait tellement mieux passé si j'étais passé par dehors, je suis en train de me dire. Parce que là, je suis en train de me taper tout le bâtiment. Ah, attends. Attends. Ouais, non, je peux pas les libérer, fais chier. Alors, attends. Là. Ça me paraît ok. Monsieur Rouille ? Hé, hey, gardien ! Ton frère est venu te rendre visite. Ne me dis pas que tu ne veux pas le voir. Oh, allons. Eh merde ! Mais non. Ah, je suis dégoûté. Je pensais pas que l'autre avec la lance, il allait se poser à côté. Non ! Non, j'ai loupé une occasion. Hein ? Allumé. Ah, c'est ça la diversion, d'accord. Ouais, je suis deg. En fait, je voulais assassiner celui qui était proche du bord et ensuite grimper et faire le reste, quoi. Mais j'ai pas eu l'occasion. Ah, attends, parce que si ils m'ont perdu de vue, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Hop là, Moyen-Âge. C'était mon plan depuis le début. Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Ah, mais administrer, c'est gouverner. Gouverner, c'est régner. Tout se réduit à cela, et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux? L'est-il? Valérie Luxembourg.
Rouille, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Je vous avais bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamez-les. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Mais procédez graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux. Attends. C'était Marie-Antoinette ? Est-ce que c'était Marie-Antoinette ? Alors, on a géré notre coup, hein. Ok. Donc ils ont à peine eu le temps de me voir. Excellent ça. Alors, on va fuir par là où on est arrivé, hein, c'était très bien. Ok, non je suis content parce qu'au bout du compte ça a servi de diversion. Et ça m'a permis de finir le travail à peu près correctement. La tête contre le bon, pourquoi ils ont repop et mercredi, ils ont tous repop. Niquez-vous. Heureusement je me rappelle de la sortie. Allez, Taïo. Et dire que j'aurais pu juste sauter, hein, ça aurait été très bien. Allez, casse-toi, Michel. Ah, Zéba par là. Comment je... Attends. Y'a un problème. Grimpe. Putain, par où je sors? Miaou. Je suis dans un trou. Comment je sors? Allez, va. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh putain, ça va être chiant. Ah. Allez, bouge-toi. Let's go, c'est bon. Ah, et pour les personnes qui disent que ma lance est cheatée, je rappelle qu'elle est légendaire, hein. En gros, elle est pas de niveau 5, si tu veux, niveau 5 plus, ou même niveau 6. Donc genre, c'est normal que je fasse autant de dégâts sur des niveaux 3, hein. Ok. On est bon. Phew. Eh ben. Ouais, j'aurais bien voulu faire les choses autrement, mais bon, écoute, c'est passé, donc on est comme ça, hein. Non, c'est pas Marie-Antoinette? Ah bah je sais pas, j'ai cru, ok. Je sais pas, elle s'appelait Marie, alors si tu veux des Maries connues dans l'histoire, bon. Frédéric Rouille. Et parce qu'il était roux, on l'appelait Rouille quand même, hein. Le racisme, les préjugés, tout ça, les minorités. Bref. J'ai une vraie question. Est-ce qu'on est loin de la suite? On est juste à côté de la suite. Ça c'est cool parce que en général les missions se goupillent pas trop mal. Et elles sont toujours assez proches en termes de distance. Je rappelle qu'on essaie d'aller jusqu'à la fin de la séquence 9 pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut en termes de prérequis pour avoir et le crochetage de niveau 3 et l'ensemble des choses de déverrouiller au minimum pour faire ce qui me manque en fait. Messieurs, bonjour, je repasserai vous voir plus tard quand je m'intéresserai au coffre. Et du coup, interaction impossible. Ouais. Attends. Famine. Oui. Paris a faim. Et Germain y est sans doute pour beaucoup. Vous découvrez qu'il organise la disette. Et mettez-y fin. La disette ou 17? C'est quoi une disette? C'est quoi une disette? Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque? Tu la connais? Et l'évêque font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grain qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame l'évêque. Ok. Et on me dit dans le chat, du coup, que 17 ou 17, c'est en gros la famine. Ok. Très bien. Rejoignons les quais. Mais en fait, le truc, c'est que dans cette aventure, plus que dans celle que je vous avais proposée à l'époque quand le jeu est sorti, j'ai mieux géré mon matériel et mon argent. C'est pour ça qu'on est un peu plus OP plutôt dans le jeu. Parce que je me rappelle avoir terminé le jeu de base sans équipement légendaire et l'air de rien.
bah, ça fait une différence quand même. Hein. Mais si vous avez bien suivi l'ensemble des séries AC que je vous ai proposées jusqu'à présent, j'ai toujours fait mieux, ou en tout cas j'ai toujours essayé de faire mieux que ce que je vous avais proposé à l'époque. Et de toute façon, c'est ma marque de fabrique. Hein. Vous savez que j'aime fouiller, j'aime prendre mon temps. Je veux vous proposer une fin toujours plus qualitative. Et d'ailleurs, la fin de God of War 1 m'a déçu pour ça. Mais même chose, hein. God of War, on a farmé au possible et puis au bout du compte, on a géré l'aventure du 1. Hein. On verra ce que ça donne pour les prochains épisodes, mais mon objectif, c'est de faire toujours au mieux pour vous. C'est la base. Revenez ici! Vous avez dépassé le quai, bande d'idiots! Où est-ce que vous allez? Alors, dans le chat, on me dit que la Marie, c'est Marie l'évêque. Et maintenant, je vois pas c'est qui Marie l'évêque. Elle a servi à un truc dans l'histoire? Ou c'est un personnage templier random? Alors, filez le bateau, évitez de toucher l'eau. Ouais, on va la jouer. Oui, allez, si tu veux, on va la jouer. Si tu veux, on va la jouer. En fait, j'ai commencé à regarder pour un costume. Donc, j'ai peut-être trouvé quelque chose. J'attends juste d'avoir mon argent du mois. Et normalement, on devrait prochainement avoir droit à un costume. J'espère le recevoir avant de boucler Unity. Mais si jamais je l'ai pas reçu d'ici là, je vous le sortirai pour une prochaine aventure. C'est pas un problème, le marathon est encore long. Il reste encore bien des choses à faire. Et de toute façon, l'aventure se poursuivra à un moment avec les épisodes à venir. Donc, le costume, vous le verrez, vous inquiétez pas. Ok, ça se passe jusque là. De toute façon, si on tombe, c'est vraiment que, bah, comme d'hab, le jeu m'aura chié dessus. Ok. Allez, let's go. Let's go. Wow. Pourquoi ça fait des dingueries là? Calme-toi, Extremis, calme-toi. Les mecs, ils en peuvent jamais plus. La Casbah Corp ou l'excellence, notre priorité, bien sûr. Objectif, satisfaire notre client pour les tenir sur la durée. Moi, je veux pas de l'investissement genre sur l'instant. Je veux de l'investissement sur les mois et les années. Je veux pouvoir vous gaver. Je veux que vous puissiez me dire... Ah! Que vous reviendrez. Attends, j'ai pris du temps de fou, là. Attends. Parce que j'ai parlé, mais en vrai, il m'a bien devancé, lui. En plus, ça se trouve, je mets un yep à l'eau, c'est fini. Ah! Let's go. Oh, c'est rare que j'arrive à faire une bonne filature quand je dois poursuivre un truc dans l'eau. Hein. Franchement, on a géré. Attachez-moi ces amarres! Capitaine! Tout s'est bien passé? Oui, madame. Vous avez vos ordres? Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail! Ah oui, Marie l'évêque. D'accord. Et elle a été présentée comme ça quand on a parlé avec Alice. J'ai juste entendu Marie, moi j'ai pas entendu l'évêque. L'évêque était des templiers traditionnalistes, membre de l'ordre depuis sa fondation ou presque. C'est assez étonnant de le voir adopter cette nouvelle tournure économique. D'accord. Pourquoi il y a un... Tout en bas. Voler les ordres. Carrément. Voler les ordres, si tu veux. Let's go! Alors attends. Est-ce qu'on peut plonger? Non, tu te fous de ma gueule. On peut pas plonger. Non, tu te fous de moi. Non mais, vous voyez, c'est ça qui me gêne. C'est que on avait une base de gameplay solide et ils ont retiré des éléments basiques qui ont fait de la licence ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi on peut plus nager? Enfin, pourquoi on peut plus plonger? Non les gars, faut pas faire ça. Mais on peut plus plonger. Mais c'est complètement con, pourquoi on peut pas? Mais ça me... Non, ça me vénère. Bon alors d'accord, il n'y a pas une tonne d'eau non plus, mais vas-y, tu reprends juste... Je sais pas. Tu l'as... Ah, ça me... Franchement, ça m'a vénère. On peut pas plonger. Mais quoi? Mais putain, c'était une base avant. Bon. Ok. Non mais je vais finir par croire que ça sert à rien d'avoir du niveau en fait. Parce que de toute façon tout le monde te tue pareil. Hein. Ok, on change de plan.
On change le plan, vu que de toute façon on peut pas plonger, arriver par l'eau, c'est un peu stupide. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Ok. Nouvelle tentative. Cette fois-ci par la terre. Je sais pas, plonger pour moi c'est un peu une base. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été retiré. Ok. On va aller se faire la tour de guet. Voilà. Ensuite. Ensuite on fait attention à nos petites fesses. On fait attention à nos petites fesses, on fait attention à nos petites fesses. Par contre, il y en a plusieurs qui sont... Ah ouais. Potentiellement des one-shotters. En fait, tous les carabiniers. Tous les carabiniers ont le pouvoir du one-shot. Chut. Uh-oh. Non. Et zut. Tumpy. Non ! Il y avait un poteau. Il y avait un poteau entre les deux, hein, je... C'est pas grave. Oh ! Je crois que je suis mort et que j'ai revécu. Ah ! Vas-y, tue-le ! Frappe ! Frappe ! Frappe plus fort ! D'accord, c'est un esquiveur. Ça va le faire. Allez ! Allez ! Allez ! Oula ! Oula ! Je suis aveugle ! Ah d'accord. Je suis aveugle et pourtant j'ai eu ma cible, hein. Qu'on se le dise. Voilà. Youh. Et avec ça vous me prendrez 3 cachetons de doliprane. C'était pas assez puissant à l'époque, hein. C'était le temps de réviser le problème. Youh. Je suis médecin, hein. C'est pour ça que je fais des picouzes. Merci, j'ai mon dû. Je m'arrache. Casse-toi, taillot. Allez, on bouge. Eh ben c'était fastidieux, hein. Je me suis repris à quoi, 4 fois quand même, hein, je crois. Ah mais par contre vraiment, hein, je suis sûr d'être mort et d'être revenu à la vie. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué le phénix en fait là. Ouah, c'est chaud, je suis mort, j'en suis sûr, je suis mort. Allez, ça dégage. Voilà. Ouais, ouais, je sais, faut fuir le secteur. Je fuis le secteur. Voilà, mission complete. Fastidieux, très fastidieux. Oh mon dieu. Mission de l'angoisse. Le palais du Luxembourg. Ah. Qu'est-ce que vous allez y faire? Victoire! Et ça aurait pu être un first try, si le jeu m'avait autorisé à plonger. Mais ouais, je comprends qu'on retire des éléments, mais pas des features de base en fait. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ok, il y a que la scène. Ok, donc je comprends que c'est pas forcément essentiel. Mais quand même. Bienvenue au parc du Luxembourg. On est au parc du Luxembourg? C'est le parc du Luxembourg ça? Mais non, attends, c'est le palais de la justice. D'ailleurs, attends. Où est la suite? Où est la suite? Là, pardon, je voyais pas. Séquence 9, mémoire 2, accapareur. Ah, attendez, est-ce que je vais avoir le temps de la gérer? C'est plutôt ça que je veux savoir. Marie Lévesque organise un gala au palais du Luxembourg. Infiltrez-vous dans le palais et tuez-la avant qu'elle ne déclenche une émeute. On la joue ou pas? En vrai, je la jouerais bien, mais... Non, vas-y, on la joue. C'est quoi, on la joue? Je vais juste ellipser mes quelques tentatives que j'aurais fait par rapport à cette histoire de vol de papier là. Et puis normalement, ça devrait le faire. Ouais, vas-y, au pire, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Je vous fais un épisode de la gourmandise en termes d'histoire, on sera bien. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Welcome back, messieurs, dames. Ok. J'espère que ça va bien se passer par contre. Hein. Marie Lévesque, les gars, on joue gros. Hein. On attaque une cible alors que techniquement j'ai largement fait le temps d'une VOD. Là, c'est la gourmandise. Alors attends. On va reprendre du crochetage. On va reprendre tout ce qu'on peut prendre en fait. Est-ce qu'on a. Eh, on a assez de points pour prendre des capacités en vrai. Attendez, techniquement, il faut que je me garde 9 points de compétences
pour le crochetage de niveau 3, mais le reste, je peux le consommer. Donc ça veut dire que là, j'ai 5 points qui peuvent partir dans d'autres trucs. On va regarder ce qu'on peut faire. On va regarder ce qu'on peut faire. Parce que j'ai quand même envie de bien faire les choses, si tu veux. Ok. Ah, attends, fais voir. Compétences. Corps à corps. Alors, je pourrais prendre ça en vrai. En vrai, si à un moment j'ai des points en rab, peut-être que je verrai pour la maîtrise à l'arme longue. Parce que l'air de rien, ça fait la diff. Hein. Cache d'assassin, c'est non. Bombe bourre, c'est non. Grenade étourdissante, pourquoi pas, c'est combien? C'est 2. En vrai, c'est 2, c'est donné. Hein. Lame fantôme améliorée. Permet de tirer 2 fois sans recharger. Mais non. Mais attends, mais c'est le turf, ça. Ça, c'est le turf. Ok, ça, ça m'intéresse pas. Par contre, je me suis gavé en discrétion. Et la vie... Et la vie, je peux... Pourquoi je peux pas la prendre? Ah si. Non, je sais pas. Attends, c'était grisé il y a 2 secondes. Alors, on a le choix, les gars. On peut, si on veut, prendre la peau de cuir bouillie. C'est pile les points que je peux dépenser. Donc soit je buff ma santé, ce qui pourrait être une bonne idée en soi, soit je prends la maîtrise à l'arme longue. Parce que du coup, en fait, ce qui m'embête, c'est que ma vie de base, elle est pas forcément buffée. Mais je sais pas si ça va vraiment faire une différence. En même temps, je me fais one shot par tous les carabiniers, c'est chiant. Ça m'arrive pas tant que ça, mais ça m'arrive quand même. Vous en pensez quoi? Maîtrise arme longue? Ou santé niveau 2? La vie plus dure, la vie plus dure? Ok, vas-y. Bon, par contre, je vous préviens, à partir de là, je ne consomme plus de points de compétences. Parce que mon prochain objectif, c'est ça. Et ensuite, on mettra les points dans ce que vous voulez. D'accord? Allez, on s'est rééquipé. On a plus de vie. Plus de vie, plus de résistance. Toujours mon arme légendaire. J'ai combien de sous? J'ai 56 000. J'ai pas besoin de passer au café théâtre. Par contre, faites-moi penser, si le jeu me l'autorise, à y aller juste après cette mission. Comme ça, on va ressortir les bénéfs et maxer, en fait. Hein. S'il y a moyen à un moment d'acheter des fragments d'armure légendaire, let's go. Hein. Let's go, let's go, let's go. Hein. On va prendre tout ce que le jeu nous donne. Hein. Pourquoi se priver en même temps? Alors, mémoire 2. Marie Lévesque organise un gala au palais du Luxembourg. Infiltrez-vous dans le palais, tuez-la! Attends, quoi? On gagne la capuche fantôme légendaire? Quoi? Tu avais raison. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Nya. Elle me dit quelque chose, cette mission, elle aussi. On commence à rentrer dans les phases de jeu qui me parlent un peu, hein. Alors, Marie Lévesque, on a du choix. On a du choix, il y a pas mal d'options, là. Alors, attends. Moi, je voudrais voir c'est quoi cette histoire avec le gars, là, et sa poudre. Parce que s'il y a moyen de faire quelque chose, ça devrait bien se passer. Puis après, on va voir aussi le gars qui est en jaune, là. Bonjour. Nya. 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 Donc je pénètre pas, ça devrait bien se passer. On est bon? Bien. Monsieur. Merci, monsieur. Tout va bien? C'est tout?
Oui. Ah oui, non, faut le protéger. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Oh. Vous savez ce que je pense? Le gars, il va lancer un feu d'artifice. Et ça va être la meilleure diversion qu'on puisse avoir. Les gars, si on arrive à faire un assassinat feu d'artifice, ça peut être l'assassinat le plus canon qu'on aura jamais vu. Ça peut être très très cool. Alors attends. Messieurs, Hein? Ils sont morts ou... J'ai un doute. Oh purée. Je crois que les autres, ils ont juste bugué. Allez, ça dégage. Dis ta mère. Ok. On est bon. On avance. Ça va être pas mal cette mission, je le sens. Par contre, on m'a dit dans le chat, du coup, j'ai un doute. À chaque fois qu'on a eu du stuff dans une mission, le stuff, on nous l'a donné. J'ai pas eu à l'acheter, donc j'aurais pas à l'acheter, la capuche légendaire, là. Si ? Parce que s'il faut l'acheter, Bah, s'il faut l'acheter, ça fait chier, quoi. C'est pas un avantage, en soi. Je l'aurais juste déverrouillé, si tu veux. Ok. Ah, ça y est, il est arrivé. Monsieur ? Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Entendez-vous par là ? Rien. Non. Le jeu, c'est Hitman. Je suis en train de faire une espèce d'assassinat scénarisé. Alors, attends. Il y avait un prisonnier, il était où, lui ? Diversion par feu d'artifice acquis. Ok. Toi, là. Monsieur et madame. Qu'allons-nous devenir, Michel ? On va t'envoyer aux galères. Pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici t'accusaient de la même chose. Ça suffit. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Je ne pouvais. J'arracherai les barreaux de ces problèmes. Je me battrai pour gagner ma liberté. Tous ceux qui sont ici en feraient autant. Mais j'ai peur qu'un autre sort nous attende. Bah attends, du coup, si je le libère, il se passe quoi? Je t'aime. Il me fait une diversion? Le stuff est toujours donné, donc tu auras la capuche légendaire. Let's go. Eh les gars, si on peut économiser sur un morceau, on va pas faire les rabat-joie. Je réfléchis parce que là on a opportunité de pouvoir potentiellement libérer un Gus qui peut me permettre de faire une certaine différence. Ça peut être strat. Personne ne passe par ici. Ok, ça dégage. Moins un. Allez. Allez. Let's go. Alors attends. Ça y est, on est dedans. Donc maintenant, attention. Bien. Il faut qu'on gagne le rez-de-chaussée. Ok. Heureusement qu'il m'a bien regardé mais qu'il a pas réagi. Hein. Où c'est qu'il y a un escalier? Où c'est qu'il y a un escalier? Pas ici. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, je suis stressé! Je suis stressé parce que, en vrai, l'assassinat a l'air trop cool avec le feu d'artifice, mais si j'arrive pas à maîtriser le sujet, Ah, ça peut vite devenir catastrophique. Et on se connaît, les Kazma! Ne bat! C'est pas vrai! Oh, mercredi! Ok, y'a que lui qui m'a vu? Y'a que lui qui m'a vu. Comment je fais pour descendre dans la cour, sérieux? Attends. Parce que j'ai vraiment envie de la jouer, cette initiative, mais je sais pas pour passer. La mission qui donne un objet qui vaut 120 000 francs. Bah, bien sûr, hein. On prend, hein. On prend. Et après, heureusement qu'il te donne au moins une pièce, hein. Parce que sinon, tu pourras jamais tâter le légendaire, si tu veux. Enfin, non, tu peux tâter, mais ça coûte cher, hein, si tu veux. J'arrête pas de dire si tu veux. Y a pas beaucoup de pélo, hein. Je sais pas comment agir. Ok. Déjà, je pensais pas passer comme ça. Donc ça, c'est mieux passé que prévu. Ensuite, il y a des gardes à l'infini. Initiative. Mercredi. C'est le stress. Ok, uno. Dos.
Allez, on se dépêche. Il y a les gardes qui arrivent. Alors, il se passe quoi de ce côté? D'accord. Est-ce que je peux escalader? On peut pas escalader? Non. On peut pas escalader. Oh, les salauds! En fait, ils te mettent une porte, mais elle est de niveau 3. Ah oui, ça veut dire que j'ai pas le choix, en fait. C'est je dois voler la clé ou rien. D'accord, bon. Bah, génial. Génial, génial, génial. Attends, il arrive par là. Mon occasion. Mon occasion qui arrive. Mon occasion qui se rapproche. On joue les initiatives. Autant que possible. Ça fait une bonne semaine que tu dis tout le temps si tu veux. C'est vrai? Ah bah, je fais pas gaffe. Si tu veux. Non, je fais vraiment pas gaffe. C'est des tics de langage, hein. Ça arrive. You okay? Mais là. Là, faudrait que je le tue. Faudrait que je le tue, mais. Mais en fait, dans la cour, il y a trop de monde. Faudrait que je nique toute la sécurité du jardin royal. Il passe par où? Il passe par là. Il est suivi par son boys. Ok. Ils m'ont vu ou ils ont eu un doute? C'est impossible. Il ne peut pas être bien loin. Ah merde! Mais non, je pensais que j'allais jouer l'assassinat. Attends, c'est bon ou c'est pas bon là? Non, qui m'a vu encore? Allez, d'accord. Un gars qui fouille dans les poubelles, hein, pour changer. Ah, puis avec un revolver en plus. Dans le genre discrétion, on est bien. Ah, il m'a vu! Ça va, j'ai compris. Ah là! Ah là! Non! C'est à peu près la max en termes de niveau de discrétion que je pourrais vous proposer. Ça, c'est tout moi. Ah, ça, c'est bon. C'est heureusement, le jeu est tolérant, quoi. Ok, et eh ben ça m'a permis de bien nettoyer l'air de rien. Je t'en supplie, j'ai une famille. Ok. Allez, on a libéré un groupe. Et normalement, si j'ai bien compris, on peut en libérer un deuxième. Libérons le groupe. Libérons le groupe. Allez, messieurs. Là. Phew. Ça commence à lâcher des steveux dans le stream chat. Ok, évasion entamée. Alors maintenant, si tu veux, comment je... je le fais un peu exprès aussi, hein, j'avoue. Non, par contre, comment je vais, pour de vrai, m'arranger pour tuer Marie l'évêque avec le feu d'artifice? Comment j'engage le feu d'artifice pour la tuer? On est bien. On est bien si tu veux, à condition que ça se passe correctement. Allez là. Allez là. Je voudrais la tuer avec le feu d'artifice. Peut-être qu'il faut juste attendre et ça va se déclencher à un moment clé. Hein. J'espère juste que c'est pas un one shot. Moi je pense qu'il faut se rapprocher. À un moment elle va engager une espèce de conversation, comme ça le fait dans tous ces jeux là. Et elle va se diriger vers l'événement du feu d'artifice qui va déclencher sa potentielle mort. Oh oh. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de votre venue. Ce soir, nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté. Ah ah. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. Enfin, à vous, pardon. Ok. On a eu de la chance. En fait, je suis surtout venu ici parce qu'il y avait un gars qui passait dans le couloir. Ok. Voilà. Hein? C'est l'émeute? Oh, c'est l'émeute! Mais du coup, attends, l'émeute, ça va pas empêcher le feu d'artifice? Non, madame. Ça a pas beaucoup de sens, cette histoire. Ça a pas beaucoup de sens du tout, même. Alors. On y retourne. Hey.
En avant, en avant, en avant. Voilà, faites pas attention à moi. Tendu. Toi, je vais te faire aussi. À mort, les carabiniers. À mort. Elle profite de sa soirée, hein. Ça se passe, hein. On compagnie des gueux. Par contre, viens, tu vas dehors à un moment. Parce que c'est forcément dehors. Je suis si contente de vous voir. J'espère que vous ne songez pas à nous quitter. La soirée ne fait que commencer. Et bienvenue à ceux qui n'ont jeunes, au fait, hein. N'hésitez pas à follow la chaîne, messieurs, dames. Pour que la suite de ce marathon se passe bien. Et pour chaque sub, sachez qu'on gagne en flow, en puissance d'attaque, en défense et en discrétion de plus 25%. Donc subez pour que l'aventure se passe mieux. Ok, elle fait son petit tour. Je suis sûr qu'il y a un moment où elle va aller dehors. Et c'est là qu'il faudra que j'agisse. En vrai, sinon, je cours. Enfin voilà, c'est fini si tu veux. Je mets une lame furie, hop, terminé. Mais c'est pas drôle. Tiens, je pourrais limite lui sauter dessus. Mais j'aimerais bien essayer de jouer le feu d'artifice. Allez Martine, voilà. Va vers la porte, ça me paraît bien comme idée ça. Ah putain, elle fait des ronds. Comment je déclenche le feu d'artifice? Comment je déclenche le feu d'artifice? Alors lui déjà il va me manger. Ah, attends, peut-être pas. Ok, porte de niveau 1. Ah. Non, pas maintenant. Ok, c'est le seul. Ok, c'est le seul. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de lui sauter dessus, mais est-ce qu'il faut pas toi-même déclencher le feu d'artifice? Si, peut-être. En vrai, ça paraît logique, hein. Je sais pas, genre j'ai un expert, il peut pas s'en occuper. Mais il y a un monsieur là, je sais pas, ça sert à quoi le monsieur? Parce qu'il avait l'air pris en otage. Attends, on est où là? Là on est dans les jardins. Ok. Et dans les jardins. Voyons voir. Réfléchissons, hein. Faisons les choses intelligemment. Ah, déjà on peut atteindre le monsieur. Bonjour. Il faut que vous m'aidiez, ma femme. C'est elle qui m'a enfermé ici. Vous devez me laisser sortir, je dois l'arrêter. Je sais quelle relation entretient votre femme. Je crois que vous n'êtes pas de taille à lutter. De grâce, je vous en supplie. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Ok. Mais là, si j'ouvre la porte, c'est fini. Tôt. Attends, donc lui, c'est le mari de Marie ? Ouah, ça me paraît compliqué quand même, hein. Oh, peut-être que c'est lui qui va aller la tuer. Ce serait une occasion rigolote, ça aussi. Attends. Parce que du coup, j'ai pas checké dans le jardin s'il y avait ce que je cherche. Je suis sûr qu'il y a 30 manières de la faire, cette mission. Non, mais je sais pas où est mon feu d'artifice, donc... Donc bah laisse tomber le feu d'artifice en fait, c'est pas grave. On va jouer la sortie du bonhomme, hein. On va jouer la sortie. Lâche. Merci. On va jouer la sortie du bonhomme. Attends, non. Non. Si je passe par là, ça va foutre la merde. Ah attends. Et là on est où? Et là on est... Ok, juste au-dessus. Ok, et là je suis... Ok, là je suis quasiment où je suis sorti tout à l'heure. Ouais, on va la jouer dans le couloir, mais je vais la jouer avec une... Non, c'est pas vrai. Non, pas maintenant. Oh, j'arrête pas de me faire des frayeurs avec les mecs qui sont de passage, là. Non, bah non. Nulle part. C'est pas vrai.
Ça se passait bien. Pourquoi d'un coup d'un seul? Allez. Voilà. Tout ça parce que je veux la voir avec le feu d'artifice. Mais de toute façon, j'ai aucune idée de comment ça se passe. On nique sa mère, hein, au bout d'un moment. Tu sais quoi, on peut même faire autrement. On peut faire... Hein. C'est dans ma tête. Vas-y. Ok. Voilà, les bougres vont se fatiguer entre eux. Bon, il y en a pour un moment, mais normalement, ça devrait bien se passer. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire un truc de ce genre? Ok. J'osais pas tout à l'heure, mais j'aurais dû faire ça dès le début. Nickel. Allez. Pas de système de sécure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je libère son gendre? Merde. On est nul. Ok. Let's go. Alors, Michel. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, je le vois bien aller assassiner sa bougresse. Attends, non, pas par là. Elle m'agace! Je sais pas comment déclencher feu d'artifice. Et tu sais quoi? Au bout d'un moment... Flemme. Allez, c'est pas grave. Tant pis, je suis dégoûté, j'aurais bien voulu feu d'artifice, mais... Ça fonctionne comme ça. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, ne voler me pas. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre. Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Peltier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Bon. Et maintenant la question, c'est comment on sort de manière safe? Eh ben, par là. Ah, oh la vache! Ouh, j'ai pris cher. Attends. Il y avait un escalier. Si j'avais à le retrouver. Il est là. On grimpe. Et normalement, il devrait y avoir une sortie par la fenêtre. Ah, mais c'est ça. En fait, ça crée une sortie. Yo. On se casse. Ok. On bouge. Je suis un peu déçu. En soi, ça s'est bien passé, si tu veux, mais... C'est pas la mort que j'espérais. C'est dommage. Bon, cela dit, Marie Lévesque, c'est fait. Et en plus, on a obtenu la capuche de fantôme légendaire. Et ça, c'est incroyable. Eh ben... Ouais, il y a toujours un million de possibilités pour gérer la mission. On n'a pas trouvé pour le feu d'artifice... Il y avait potentiellement un truc à faire avec son homme qu'elle avait emprisonné. Les prisonniers qu'on a libérés qui ont géré une émeute. On aurait pu aussi l'attaquer dans le dos. Enfin, je pense qu'il y avait même d'autres trucs un peu cachés si tu veux. Parce qu'il y a ce que le jeu te présente et il y a ce que tu trouves en secret. Mais bon, écoutez, Tom P, c'est pas grave. Alors, on arrive doucement mais sûrement sur une fin de VOD. Mais juste avant ça, et on l'avait dit, retour au café théâtre. On va récupérer les sous et on coupera ici pour cet épisode. Bon, je suis content quand même. Et alors, attends. La capuche de fantôme légendaire, tant qu'à faire. On va l'équiper. Attends, elle est légendaire, on va pas se priver si tu veux. C'est pas celle-là. Capuche de fantôme légendaire. Oh. Au bal masqué, ohé, ohé. Oh, avec la petite plume. J'aime bien celui avec le panache, mais en vrai, c'est pas mon préféré. Oh, quoique. Quoique avec les épaulettes, non, ça rend bien. Hein.
Ça rend bien, ça rend bien. Bah écoute, on a une capuche légendaire. On va la prendre. Au moins pour l'épisode à venir. J'ai deux segments légendaires sur moi, sur X. Donc on progresse. Ah ! Et on avait la max dans le coffre. Donc ça veut dire que peut-être j'avais de l'argent qui coulait au cul et qui voulait pas sortir parce que... Attends, fais voir. Une belle recette. Le prochain versement, c'est dans 16 minutes. Non, en vrai, je pense qu'on a été juste. Je pense qu'on a été juste, mais à mon avis, l'argent va arriver correctement et je pense pas en avoir perdu. Messieurs, dames, YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis content. Je sais pas trop où on en est. Je me demande si on est toujours à séquence 9. Je pense que oui. Hein. Fais voir. Séquence 9, mémoire 3. Une fois Marie Lévesque tuée, il est temps de retrouver Élise et de quitter les lieux. Ça ressemble à une fin de séquence. J'ai une question. J'ai une question pour les personnes qui savent. Attends. Est-ce que c'est la dernière mission avant la fin de la séquence ou pas? Ou est-ce qu'il nous reste encore un peu de chemin à faire? Parce que si dans l'idéal, à partir de l'épisode prochain, on peut attaquer du full secondaire, je vous avoue que ça m'arrangerait. Donc si je peux, c'est la fin de la séquence? Eh ben vous savez quoi, on va jusqu'à la fin de la séquence. YouTube! Pour toi gourmandise. Profite! Profite, parce que de toute façon Twitch, toi et moi on enchaîne, donc que je coupe ici ou que je coupe dans 25 minutes, tu auras tout dans un même morceau. Non, non, mais on avance parce que au moins ça me permettra de mettre fin à cette séquence, d'obtenir la capacité que je voulais, et à partir de l'épisode prochain, de me redisperser un petit peu pour boucler ce qui reste. Et ça c'est bien, ça ça fait danser les rats, ça c'est joie. D'ailleurs, j'ai pas utilisé plus de matos que ça pour Marie Lévesque, c'est cool. Non, je suis content. Je suis content. Élise. Élise. La fille de l'air. Ok. Allons-y. À mon avis, elle va être courte la mission. Qu'est-ce que le tiers état? Qui n'a pas son exemplaire? Déjà 40 000. Mais. Pas le temps de t'expliquer! Cours! Oui, d'accord. C'est pas très sympa, qu'est-ce qui se passe? Aurons-nous droit ce soir à une promenade aérienne, professeur? Non, 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 je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, hey, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Ah, pardon, attendez, c'est à moi, j'ai bégayé. Je pensais que j'allais commencer à partir du moment où il aurait détaché la montgolfière. Attends, elle me parle, cette mission. On va suivre la montgolfière? Comme dans le tour du monde en 80 jours? Avec Jackie Chan? Incroyable! Mec, si c'est ça, c'est génial! Non mais trop cool! Non mais trop cool! Effectivement, la mission a l'air chouette! Allez, on coupe ça, on se dépêche! Voilà! Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que vous me voulez? Venez vous battre, les enfants! Venez! Venez, venez, venez! Allez, vous voulez jouer? Maintenant, on assume jusqu'au bout! Allez, on porte ses couilles! On est niveau 1, j'ai pas peur! Les gars, ils viennent me chercher des noix, ils sont niveau 1. Élise! Attention! C'est pas pour pas te respecter, mais quand même, hein, je voudrais bien savoir ton niveau à l'occasion. Ok! Et normalement, avec ça, on est bon. Elle va pas m'attendre, hein. Arnaud, elle va pas m'attendre! Ah! Attends! Attends-moi! On peut s'accrocher! On peut s'accrocher! Attends. Non, je crois qu'on peut s'accrocher. J'ai peut-être confondu avec le cordage. Ah non, on peut pas s'accrocher! C'est cool! Attends-moi! Attends, là! Mais là! Ce... Et mercredi! Ouais, bah ça va, oh! Je me suis trompé de côté! Fais de couilles! Ok, j'arrive! Moi, réfléchis! Un moyen de redescendre! Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes! J'adore cette fille. Je. Voilà. À chaque fois qu'on la croise, de toute façon, c'est bonne surprise sur bonne surprise. Hein. On aura sa culotte avant la fin. Ce sera l'ultime, la toute dernière. Un string de haute, haute, haute qualité. Oula. Et d'ailleurs, la légende raconte que dans God of War, il y a un vase avec son string dessus. Ah. Ok. J'arrive, 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 j'arrive. Ah, elle me cover pour de vrai, hein. Efficace, hein.
Bien joué. Par là. Oui, ça va, ça va, ça va. Je cours. Je sais juste pas exactement par où je vais la rattraper. Par là, ça me paraît bien. Oula. Là, carrément des tonnerres. Ah, ma des tonnerres. Chérie, babe, jette-moi ce que tu peux. Lâche du mou. Dessape-toi pour être plus légère et t'envoler vers les cieux. Ah, bien joué. Je voulais me le faire, mais bien joué. Attendez, là je perds des occasions. Là. Ok, objectif pas toucher le sol. Tant qu'à faire. Ah mais d'ailleurs c'est un objectif. J'avais pas vu. Non, j'avais vraiment pas vu. Ok, let's go. C'est tendu par contre, hein. J'avance en zigzag, hein. Bah en même temps, vous rigolez, mais si elle jette une culotte de règle, je veux dire en termes de poids, il y a ça et autre chose, hein. En vrai, elle peut vraiment s'élever, hein. Vers le hauteur. Ah, on y est. Ils appellent ça un aérostat. Ah, c'est rigolo ça. Avant de s'appeler une montgolfière, du coup. On arrive, babe. On va te décrocher. C'est bon. Yahoo. Oula. Oula. Non. Arnaud. Tout va bien. Non, je vais mourir. Dis-moi, c'est moi qui joue. Ça peut être trop drôle. Attends. Ouh. Ah. Aïe. Arnaud. Tout va bien. Ne bougez plus. Ah, d'accord. On bouge. On bouge. Pardon, je pensais que ce serait en cinématique. On y retourne. C'est une longue histoire. Ah bah une longue histoire qu'il va falloir nous résumer assez vite parce que pour se faire poursuivre comme ça. Oh la vache. Ah, il nous lâche pas. Non, la mise en scène est cool. La mise en scène est très 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 cool. J'admets que là-dessus Unity gagne énormément de points. Je pensais pas. Non, je m'amuse bien. Je m'amuse vraiment bien. Ok. On y va, ça se passe. Par contre, si on peut éviter de mourir, ça se passera encore mieux si tu veux. On arrive, babe. Je lâche du mou moi aussi. Je tente d'accélérer comme je peux. Naruto run. Ok, là. Youhou. Ah, ils envoient tout ce qu'ils ont, hein. Mais c'est pas les extrémistes qui nous tirent dessus là, c'est la garde impériale. Oh, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est les bleus qui tirent dessus? Pourquoi c'est les bleus qui tirent? Ah, cool. Oui, bon, ça va, j'accélère comme je peux, hein. J'arrive. Ouais, de ouf. Arnaud qui est au bout de sa vie. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire ? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal ? Tu crois que c'est possible ? Et toi ? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Je bug, Élise. Ma texture a bugué. Mes lèvres ont traversé la matrice, Élise. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. Alors, j'ai quand même plusieurs choses à redire. Déjà, maintenant elle connaît mon identité secrète. J'ai oublié de retirer mon masque de super voleur des culottes. What the fuck? Pourquoi on garde le masque du bal masqué? C'est complètement débile. Enfin, je sais pas, genre ça fait pas.
Je sais pas, ça fait bizarre. Et autre chose, à partir du moment où tu vois des gueux qui sont en train de se battre à mort en fond, quelques alcooliques, des handicapés, prostituées, il pleut, c'est la nuit, il y a de l'orage, sortir la phrase, c'est magnifique, je suis désolé, c'était hors contexte. Cela dit, la mission était cool. La mission était très 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 bien. J'ai bien aimé, mais alors par contre, cette phrase, non, c'est pas magnifique. Non, c'est la misère humaine. Quelque chose me dit qu'on a atterri. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Elise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Eh ben... Attends, c'est moi ou... On est à la maison? Mais non. Mais si. On est à la maison. On s'est bien garé, je trouve. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Une faille. Initié, tu me reçois? Désolé, oui, je te reçois. Ah oui, moi aussi j'ai des parasites. Dans la gorge même. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Ok, alors attendez. Aptitude d'assassin débloquée. Beaucoup de choses. Ok. Ok, voilà, déjà ça c'est fait. Et il me reste 4 points d'XP que je pourrais pas mettre là-dedans, je suppose, c'était sûr. Tu sais quoi? Let's go. La gourmandise. Je suis content. On a tout. Ok, accroche-toi, tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. D'accord. Du coup, c'est pas une faille? C'est pas une faille. Je m'attendais à une faille, c'est pour ça. Bon. Séquence 9 terminée. On est donc à la séquence 10. On a obtenu le crochetage de niveau 3. Un morceau d'armure légendaire. Mais pas que, puisque j'ai aussi pris la compétence du coup de durcissement de la vie. Donc je suis plus dur, plus athlétique, plus moi-même, plus incroyable en vérité. Et surtout, maintenant je maîtrise ma lance bien mieux. Alors je pense qu'on verra la différence réellement en combat. On va aller chercher des sous-sous. Histoire d'eux, parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, si tu veux... J'ai 100 000 ! J'ai 100 000 ! Ça veut dire que dans l'épisode prochain, je vais pouvoir racheter un morceau. Incroyable. Les gars, on va l'avoir en fait, notre tenue légendaire à max, hein. Attends. Parce que techniquement, il me manque quoi en fait? Il me manque 1, 2, 3, 4. Et donc, une fois que j'aurai acheté un nouveau morceau, il m'en manquera plus que 3. Ça peut se faire. On verra. Franchement, si on arrive à un moment clé de l'aventure, genre à peu de choses près la fin, et que je vois qu'il me manque genre un morceau, ou un morceau et demi, parce qu'on aura déjà bien engagé l'avant-dernier, peut-être que je pousserai assez loin pour obtenir la SAP légendaire au max, et puis ensuite on pourra boucler l'aventure proprement. Messieurs, dames, désolé pour la fausse erreur de tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est bel et bien une fin, de toute façon vous le verrez sur YouTube, le timer est à la fin de la VOD, j'espère que ça vous a plu. Je suis assez content, un gros épisode, mais un épisode de la gourmandise, un épisode où les choses se sont bien passées. La prochaine fois qu'on se retrouvera, je ne sais pas encore pourquoi ce sera, mais c'est sûr, ce sera pour du contenu annexe, étant donné qu'il nous reste tout un tas de choses à préparer autour de la fin du jeu. Ah, il y a l'armure de Thomas Carnéon aussi à aller chercher. Oh, j'avais zappé. Ah bah oui, bah il faudra qu'on aille chercher ça aussi. On s'arrangera, je vais préparer la fin comme il faut. On va checker ce qui nous manque. Et puis on fera les choses bien, my friend. De gros bisous YouTube, et à très vite, ciao ciao.